Bienvenue les petits cailloux, c'est Pierre qui roule. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on va tester? Est-ce que c'est un ajout au Game Pass de Microsoft Xbox? Est-ce que c'est encore une énième merde? Un jeu de merde, un JDM comme j'aime l'appeler, ajouté au catalogue de Microsoft ou Microsoft pour ceux qui me connaissent Xbox, le catalogue du Game Prout avec 99% de jeux de merde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche le Game Pass Ultimate, vous avez le Game Pass standard plus l'abonnement Gold. L'abonnement Gold, c'est pour les joueurs console pour pouvoir jouer en multijoueur. Parce que quand vous êtes sur PC, vous ne payez pas pour payer pour jouer en multijoueur. C'est, vous allez dire n'importe quoi. Eh bien oui, on s'est fait avoir dès le début, que ce soit par Sony ou par PlayStation, par Xbox, par un abonnement qu'on doit payer en plus pour jouer en multijoueur. Si vous n'avez pas l'abonnement Gold, vous ne pouvez pas jouer en multijoueur. Vous pouvez jouer uniquement solo. Donc, bof, quoi. Alors, donc, l'abonnement Gold, vous pouvez le payer séparément et ne pas avoir le Game Pass. C'est un fait. Vous pouvez très bien ne payer que l'abonnement Gold. Par contre, tout est fait financièrement parlant pour vous pousser à prendre le Game Pass Ultimate, puisque dans le Game Pass Ultimate, il y a l'abonnement Gold. Et que l'abonnement du Game Pass Ultimate à 13€ par mois, c'est plus intéressant que de prendre le Gold séparément, tout seul, même sans Game Pass. Donc voilà, intéressant encore à voir. Hein. Vous avez 99% de jeux de merde, quand même. Hein. J'ai fait le, quand même depuis novembre 2018 que je teste le Game Pass. Et je, au fil des années, c'est passé de 90% de jeux de merde à 99%. Le 1% restant, ce sont des jeux qui sont parfois des AAA, parfois des AA, enfin, plus souvent des AA que des AAA, et qui ne nécessitent pas du tout une Xbox Series X pour jouer. Alors, vous avez aussi donc, dans ceux qui ont l'abonnement Gold seul ou via le Game Pass Ultimate, des jeux que Microsoft Xbox vous offre chaque mois. Alors, parfois des petites pépites, hein, de jeux indépendants ou retro gaming. Et parfois, c'est de la merde. Même plus souvent de la merde que des petites pépites. Ça suit la logique du Game Prout. C'est pareil. Donc, bon, ce jeu, ça s'appelle Lamentum. C'est offert avec l'abonnement Gold. Bon point dès le départ, on peut choisir la langue et il y a le français. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de langues aussi. Turc, portugais, polonais. C'est quand même dingue, polonais. Je ne sais pas ce que c'est, ça doit peut-être être russe, je pense. Russe, ouais. Après, il y a chinois, japonais, je ne sais plus lequel, espagnol, voilà. Bon, on va prendre en français, évidemment. Voilà. Bon, vu les graphismes de l'accueil, ça sent le jeu de merde puissance 1000. Alors, invisible, visible. Ouais, pas joué. Alors, d'accord, les têtes de mort. Bon, on va faire ça, hein. Ah mon dieu, ça sent. Ça sent le jeu Castlevania. Ça sent ça. Putain. Alors Castlevania, il était bien à son époque, c'était une tuerie. Mais maintenant, on est en 2023. Je joue sur une Series X qui m'a coûté 500€. Et j'ai droit à des jeux rétro gaming. Alors, bah, nouvelle partie. Option, c'est quoi ça, option? Alors, toujours enlever les vibrations, quoi que ce soit, sur n'importe quel jeu. Pour nouvelle partie. Ouais. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, ça va pas durer longtemps. Ah bah j'ai pas de pièces. Oh
Dieu, ça commence à me faire chier. Bon, je passe rapidement, hein, ça me gave. Il y a quelqu'un qui est assis là-bas, à droite, qui m'espionne. Alors je ne lis pas, hein, vous avez qu'à installer ce jeu de merde et vous lire vous-même. Voilà, il faut faire A pour passer d'un truc à l'un. Qu'est-ce qu'on se fait chier, putain. Chaude. Ouais, d'accord, d'accord. Oui. J'ai mis du bois, hein. J'ai pris le bois. Oh là là, il faut pas prendre le bois comme moi avant, hein. Parce qu'en gros, vous êtes foutus, hein. Ouais. Bon, on va laisser tomber là. Hein, on va ah. Alors, start. Okay. Start. Ouais, bon. Alors, hyper dur à utiliser. Hein. Start à la rigueur, mais bon, c'est bof, c'est vraiment bof. Puis les graphiques, putain, les graphismes, putain, on est quand même en 2023.
Vous avez une CRX qui coûte 500 euros et vous jouez à des jeux de merde pareil. Oh là là, formidable. Ah putain, en plus il faut. Oh, il fallait le mélanger à la cuisine. Faut le faire comme. Voilà. Je me sens tellement impuissant. Si t'es impuissant, il y a le Viagra. C'est pas pareil. Oh, c'est clatag, Pierre Kiroul. C'est clair. Putain, le mec, il a. Un succès! Oula! Welcome to Gros Hill! Oh bon, bah, au moins, hein, au moins. Vous voyez, vous faites comme moi, vous faites 12 minutes de jeu, vous arrivez là, et vous avez au moins un succès. Alors, combien il y en a de succès pour ce jeu de merde? Il y a 19 succès pour ce jeu de merde quand même. Hein. Voilà. Mais bon, vous avez au moins un succès, par exemple, si vous faites les rewards, là, le Xbox Rewards pour gagner des. Vous faites des succès pour gagner des quêtes. Et pour transformer ces quêtes en points et ensuite acheter avec ça des cartes Game Pass ou autre, bah, ou des cartes d'achat, bah, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien faire les succès et qui ont la patience de jouer à des jeux de merde pareil. Je sais pas. Ça sent le vampire, hein. On passe à fond la caisse que j'en ai rien à branler. Qu'il y a des chaînes.
mon dieu, c'est un truc sur les vampires. Oh, encore un jeu satanique. Bon bah, plus de 18 ans, hein, le test. Hélas. Bah ouais, il va être mis en plus de 18 ans. Ouais. C'est pas un jeu pour les gamins. Hein. Ok. Alors, on équipe l'ancre. Et voilà, et on sauvegarde. Donc l'ancre permet à sauvegarder. Ok. Oh la gueule là, en haut à gauche. Je suis un mort-vivant. Yes. Bon, nous on va arrêter là parce que ça devient gore. Oh. Est-ce qu'on peut faire alors, select non, start non. Bon, on arrête là les petits cailloux. C'est bon, ça suffit pour nous. Hein, offert aux abonnés Gold, bah, un énième jeu de merde, hein, voilà. Graphiquement, voilà. Sans commentaire, hein, note, bah, il n'y a même pas de note pour ça. Allez, à plus dans l'Airbus les jeunes. Ciao, ciao.